Ça va, à moitié, parce qu'on est là pour un blabla. Et Oui, vous? bah moi je suis très en forme parce qu'on va parler du meilleur livre de France. Exactement, et ça fait mal, attention. Ni plus ni moins, on a fait le taf et on a lu le meilleur livre de France. Alors est-ce que tu peux nous donner son titre, s'il te plaît? Tentation au supermarché. Très bien, c'est écrit par qui? C'est écrit par Alexandra Chevalier. Quel est le genre? De la grande distribution, de l'aventure, de l'érotisme. Très bien, de la grande distribution comme thème majeur. Ça annonce la couleur. Oui. Le nombre de pages, s'il te plaît. 65. Très bien. C'est disponible sur Amazon, c'est donc de l'auto-édition. Et attention, attention, accrochez-vous. Ce roman-là est classé tendance numéro 1 sur Amazon. Classé meilleure vente en France en e-book. Et également classé 5 sur 5. C'est-à-dire que l'intégralité de ses retours sont notés 5 étoiles sur 5. Voilà. C'est du jamais vu. Jamais. Donc, Au grand jamais. c'est de l'extrêmement lourd. Est-ce que tu peux nous donner le pitch, s'il te plaît? Le pitch, alors je vais le lire, hein, il y a cinq lignes à tout casser. Oui. Annabella, une jeune étudiante gothique et introvertie, doit travailler comme caissière pour payer son master en études sur le genre. Sa vie va changer lorsqu'elle rencontre Lord Gontran Leclerc, le richissime héritier et PDG des hypermarchés Leclerc. Voilà. Très bien. C'est merveilleux. Oui. Voilà. Bravo. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous donner, ben, pêle-mêle, quelques extraits de commentaires? Mais bien sûr, en tout, il y en a 42. Oui. Tout ça, 5 étoiles, comme tu l'as dit. Par exemple, si la perfection avait un nom, elle s'appellerait sûrement Parfait. Cet ouvrage est la quintessence de la créativité à l'état pur. Oh, magnifique. C'est beau. Ensuite. Les personnages et les intrigues sont tout simplement époustouflants et chaque page vous incitera à faire des folies avec votre corps. Intéressant. Nous sommes ébahis. Ouais. Oui, ensuite. Ensuite, cela faisait plus de 5 ans que je n'avais pas lu de livre et je dois bien avouer que j'attends avec impatience la suite. Donc Ouais. sûrement qu'il devrait y avoir une suite. Oui. Il y en a plein comme ça. Franchement, un livre à lire et à relire et enfin à lire de nouveau. Donc ce commentaire-là, franchement, ils n'ont pas été chercher très loin. Oui. Mais il y en a un qui est piquant. Pourquoi? C'est celui qui compare Alexandra Oui, Chevalier c'est vrai. Attends, je le recherche. à Camus, à Hugo, à tous ces grands auteurs. Tel un Salinger, Proust, qui serait revenu de chez Swann ou de chez Floyd, qu'importe, Alexandra Chevalier nous confronte à une réalité qui ne s'embrasse de nulle part, ne nous épargne aucun choc et surtout nous entraîne avec maestria dans un kaléidoscope d'émotions, dont le lecteur ressort grandi, je dirais même transformé. Bon, c'est magnifique. Pour 65 pages, et bah bravo. S'il fallait n'acheter qu'un seul roman en cette année 2023, ce serait sans nul doute Tentation au supermarché, qui sera très bientôt, certainement, en rupture de stock un peu partout. Très bien. Donc en gros, là, on est sur de la quintessence de littérature française. À C'est... savoir que le prix, je te coupe, pardon, mais c'est Oui. intéressant quand même, il est vraiment pas élevé. Oui. C'est-à-dire qu'en e-book, il a 1 euro et en brochet, il a 3,69 exactement. Très C'est bien. vraiment du jamais vu, ça aussi. Donc en gros, on va mettre la photo. La Oui. pochette est exceptionnelle. Le résumé, topissime. Les commentaires, ils sont incroyablement bons. Nous, on est Les notes, subjugués. incroyables. Et Parfait. le prix. C'est de l'excellence à l'état pur. Voilà. Voilà. Donc, on a fait le taf, évidemment. Qu'est-ce qu'il en ressort de tout ça? À toi l'honneur. Qui est, à toi l'honneur, bien sûr, Ah. c'est toi qui as découvert cette pépite. Oui, Qui est merci. Alexandra Chevalier? C'est le chat GPT. Voilà. C'est une intelligence artificielle. Derrière tout ça, il y a un petit malin, très coutumier du fait, qui balance par dizaines et dizaines des romans comme ça. Donc, on pourrait se dire, oui, bon. Il gagne quoi? 30 centimes par roman? Ouais, mais fois toutes les ventes de chaque roman, ça commence à faire un peu parler de lui. Voilà. Ensuite, les commentaires. Donc, on connaissait l'arnaque des commentaires, hein, Amazon. Les commentaires sont tout aussi fake qu'Alexandra, en fait. Voilà. Alors, donc, il y a des fake commentaires. De programme X ou Y. Il y a des vrais commentaires faits par l'entourage de l'auteur, l'auteur lui-même avec ses X comptes, parce que sur Amazon on peut créer 15 comptes pour la même personne. Ah ouais. Et on a aussi des commentaires trolls d'un forum de discussion bien connu en France. Et
en Europe. Voilà. Donc, l'intégralité de ces commentaires sont faux. Voilà. Il y a aussi des commentaires qui sont achetés. Voilà. Par exemple, tu es une personne qui existe vraiment, mais tu es rétribué pour commenter tel ou tel produit. Donc, ça va de la litière pour chat au pulvérisateur Febreze, je dis n'importe quoi, Oui, et au roman. mais t'es pas obligé de laisser un avis positif, si. Ah, bah si, tu es payé. Ah, d'accord. Nous sommes aussi face à une couverture qui est fake, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'illustrateur derrière, Voilà, et puis évidemment. franchement, elle donne pas envie et ça fait penser à un livre super cucu, quoi, clairement. C'est du Midjourney. Il n'y a pas de correcteur orthographique, évidemment. Ça sert à quoi Normalement, il n'y a pas de faute, logique. ça sert à quoi de corriger ça en même temps, Corriger un vu le logo, ça sert à lectorat? rien. Il y a un extrait, vous pouvez aller le lire. C'est assez révélateur, c'est les frasques sexuelles de l'héritier, Monsieur Leclerc. Mais vraiment, Monsieur Leclerc, hein, suit des supermarchés, Voilà, c'est hypermarchés et ça, tout moi je me ça. dis, est-ce qu'ils ont le droit de mettre le nom en avant? Si tu le mets pas en position difficile, normalement, s'il n'y a pas diffamation, tu peux utiliser les noms. Ah, je sais C'est la pas. loi, voilà. Mais là, vu qu'il apparaît comme Lord Leclerc, attention, hein, c'est un personnage, un Leclerc est super-héros. content donc. Ah oui. C'est magnifique. En termes d'image et de notoriété, on touche là à l'excellence. Voilà. Donc, bon, bah, que dire de plus? Tout est ridicule, mais ce qui va au-delà, c'est la complicité d'Amazon. Évidemment, Amazon prend son petit billet là-dessus, parce que si l'auteur touche 30 centimes, vous comprenez bien que les 70 autres centimes, c'est dans la poche d'Amazon. Qui est complice de ça? Qui met en avant devant sur ses vitrines en place numéro 1, alors que vous avez des dizaines et des centaines et peut-être des milliers d'écrivains véritables, des personnes hein, qui ont un talent. Non, non, on va plutôt mettre de l'intelligence artificielle en top tendance qui parle de frasques sexuelles d'un type qui dirige des magasins de bouffe. Amazon complice de ça, quel est le message derrière? Ben, c'est l'imbécilité, la culture néant. On veut passer certains lecteurs pour des idiots en balançant ça en top tendance. C'est-à-dire, on leur fait croire que ça a de la qualité. On veut faire croire que ça fait du bien de lire ça. C'est, oh, c'est de la détente. Oh, ça fait penser à autre chose. Oui, mais non. En fait, il faudrait totalement bannir ce genre de choses. Voilà. Des imbécilités. Des grossièretés, des affabulations de la sorte, ça devrait même pas être possible de produire de telles choses, parce qu'on peut même pas appeler ça un roman. Oui, Donc surtout. c'est une C'est surtout supercherie. 65 pages, quoi. C'est une supercherie, et on est trompé de A jusqu'à Z. Du produit, de la conception du produit, à la création, à la production, à la publication, tout est faux. Jusqu'à la vente, tout est faux. Je pense qu'il faut arrêter là, avec Amazon. Pourtant, on n'était pas les premiers à dire oui, à taper sur le dos d'Amazon. Mais là, Moi, je vais me faire lyncher, peut-être, mais oui. Amazon, j'ai toujours aimé. D'accord. Voilà, sans le Prime, pour les livres, ils te mettent quand même en avant, t'as la livraison à 1 centime, quoi. Ah, mais pour les petites bourses, Amazon, ils ont. t'as pas forcément tout ce que t'as dans ta librairie du coin, alors on Ah, peut ouais. acheter des deux côtés. Voilà, sauf que bah, t'as beaucoup plus de portes sur Amazon, c'est logique, hein. Le message suprême, ça va être ne vous fiez surtout pas au nombre de commentaires et à la teneur des commentaires. Ouais, surtout Ça ça, en sert à fait. rien. De toute façon, je pense que même celui qui a pas la lumière à tous les étages, Oui. il voit 5 étoiles, 42 avis avec 5 étoiles, que Oui. du positif, Oui. carrément de là à dire, ça fait 5 ans que j'ai pas ouvert un livre, mais celui-là, waouh, il était trop bien. Bon, bah il se dit, il y a un truc qui cloche. Hein, quand même, voilà, un minimum. Bon, très bien, je pense Oui. qu'on a été perspicace. Toujours. Et comme tu dis, ta phrase préférée, Oui. rien n'est parfait. Méfiez-vous. Oui. Un livre ne peut pas être parfait, il ne peut pas être aimé de tout le monde. C'est Exactement. impossible. Oui. Voilà, chacun ses goûts. Et c'est très bien Exactement. comme ça. Bon, on reviendra bientôt avec un vrai livre. Voilà, j'ai la page blanche, la lecture blanche. Est-ce que ça se dit? Est-ce que c'est la chaleur qui provoque des pannes de lecture? Et je pense que c'est Anima. Ah oui, ça c'est J'ai vrai. vraiment un problème Oui. là. Voilà. Moi, je suis sur Le Dernier Parrain de Mario Puzo. Oh, le pavé. Un polar pur et dur. Voilà. Complexe. Parce que comme je t'ai dit. Il y a 15 personnages, Ah quoi. là, premier chapitre,
15 personnages, et j'exagère pas, hein. Ouais, Les c'est la 15, base. ils sont. Ah T'as ouais. le père, le grand-père, le cousin, la cousine, l'autre qui a perdu son frère, l'autre, le frère qui est aussi le mari de l'autre. Il y a 4 enfants, si ça, il n'en suffit pas, il y a le neveu aussi. Là, Oh, ça. il faut une arborescence, quoi. Il Tu peux te faire des petites fiches? faut un arbre généalogique pour comprendre le truc. Et comme ça suffisait pas, on est en 65, allez, bam, on fait un bond jusqu'en 90. Waouh. Où là, t'as encore des nouveaux personnages. Au cas D'accord. où, sinon, il y en Si tu avait en pas avais assez. passé. Très bien. Eh bien, bon courage dans votre Allez, lecture hein, qui courage, comporte hein. 600 pages. Merci. Et à À bientôt. bientôt.